Moi, c'est Auguste. Elsa. Il n'a pas suivi. Elsa. Oh là là. Les prénoms de l'heure. Quelle est la pire excuse que ta petite amie t'a donnée pour ne pas passer à la point d'interrogation. Que je saigne. Que tu saignes. Que ça règne. Il n'a pas demandé que tu ailles laver ça, tu viens avec. Non. Hey, comment ça? Non. Il n'a pas dit que tu ailles laver. Oui. Les Camerounais, convoquez-moi les Camerounais ici. Et le monde, tous ces Camerounais, là, je dois les parler. En regardant la caméra. Chers abonnés, restez scotchés sur Rabouzou. La chaîne du divertissement. La chaîne du divertissement. Moi, c'est Auguste. Il n'y a pas suivi. Elsa. Oh là là. Les prénoms de l'heure. Bon, regarde la caméra. Ok, ce qu'on aimerait, il y a sa voix. Et nous, c'est ici. Lorsqu'un garçon t'accouche la première fois, quel est ton premier critère? Pardon? Quand un garçon t'accouche une première fois que tu ne connais pas, quel est ton premier critère sur lui? Pourquoi? Comment rien? Non. Dans n'importe qui peut passer dans tes grades, c'est ça. Rien. Tu n'as pas écouté les préférences. Non. Donc le garçon, que le gars soit laid, qu'il soit court, qu'il soit crasseux, il a beau seulement, tu prends. Je ne sais pas. Quelle est la pire excuse que ta petite amie t'a donnée pour ne pas passer à la. Et je saigne. Mais plusieurs personnes disaient la même chose. Et comment tu as réagi? Oh, c'est ça. Tu as dit que le jour où tu vas plus saigner, tu viens. Tu seras là. Parce qu'il y a des garçons qui disent que même si tu saignes, tu vas seulement lever les gants. Non. Le garçon qui dit ça, c'est que t'es un sauvage. Tu restes tranquille, tu dis à l'autre que viens de saigner. Quand tu vas finir, tu viens. Et toi aussi, il y a les filles qui ne disent pas la vérité, non? Elles peuvent être questionnées. On connaît les filles, non? Le mensonge, c'est né chez eux. On connaît les filles. Quand tu ne vérifies pas, non. Moi, c'est tranquille, bah, ils vont trop. Ok, je te remercie. Rien. Quelle est la pire excuse que ta petite amie t'a donnée pour ne pas passer à l'acte? On fait ma cala là. C'est là que ça. Ok, c'est la pire excuse là-bas. Ça. Et tu as pris ça comment? Je suis assez tranquille, non, je peux parler quoi. Ok, parce qu'il y a plus d'autres. Bon, qu'est-ce que tu fais dire que si elle venait, tu allais passer là? Moi, ça, à chaque fois qu'elle vient, il y a tout ça. Elle ne manque pas. Donc, c'est comme un médicament pour nous. Dans notre relation, s'il n'y a pas ça, non, c'est ça, ne pas passer. Ouais. Mais tu t'es attrapé après? Non. Quand je prends l'eau, ça veut dire l'énergie que j'avais pour elle, j'ai donné à l'eau. Mais la même énergie, elle peut revenir un autre jour. Non. Je ne suis pas l'ordinateur, je ne fais pas les visages. Mais si tu dis que tu as fait ça plusieurs, chaque bagage vient, tu fais. Ça veut dire que c'est seulement. Il faut pas dire que la motion est une seule fois. Il y a toujours les roues de secours, on a utilisé les chambres. Mais aucune femme n'est chère. Hein. Moi, il reste que les femmes. Mais il y a quand même ces deux femmes-là. Je te remercie beaucoup. Allez. Donc, en fait, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, quel est le prétexte que toi-même tu as jugé que c'était le prétexte le plus bête. Quand ton gars t'a dit qu'il voulait faire, tu as dit que non, vraiment. Quel est le prétexte que toi-même tu as jugé que non, vraiment, j'ai fait fort. Que je saigne. Que tu saignes. Que ça règne. Il n'a pas demandé que tu ailles laver ça, tu viens avec. Non. Hey, comment ça? Non. Il n'a pas dit que tu ailles laver. Oui. Comment? Non. On ne lave pas ça chez les gens, on lave ça chez nous. Ah bon? Mm-hmm. Et c'est ce que tu aussi reprends. Oui. Soit on lave que chez soi, on lave pas chez les gens. Oui, c'est pas bien quand on fait, quand tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui m'a dit que c'est même le moment là que c'est bien bon. Ah, c'est pas bien, c'est un peu sale, c'est pas présentable. C'est un genre. Oui, c'est pas. Et toi aussi, c'est la même chose. Ah, c'est sale. Tu as jamais fait quand ça coule? Non. Tu es sérieuse là? J'ai même jamais fait. Tu as jamais fait quand ça coule? Non. Tu es sérieuse? Oui. Hey, c'est vrai qu'on ne connaissait pas le bon alors. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste.
Moi, c'est Merveille. Enchantée, Merveille. Enchantée. Ok. Désolé, si on t'accouche les bras, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Donc, ce qu'on aimerait savoir et nous interroger aussi est quelle est la pire excuse que tu as donné à un garçon pour ne pas passer à l'acte? Que je saigne. Que tu saignes? Oui. Et il a pris ça comment? Bah, il n'a pas cru. Tu t'es énervé? Oui, bien sûr. Il n'a pas dit que vous faites quand même, qu'il a levé les gants, je suis malgré ça. Il a voulu regarder. Tu essayes ou pas? Tu lui as dit quoi? Non, il a dit que je me suis énervé, non, puisque il m'entend. Je dis que comment est-ce que c'est un enfant? Ok, ok, ok. Bon, mais il y a des garçons qui disent que malgré le fait que tu saignes, il accepte quand même, il voulait quand même faire. Tu as assisté énervé. Bien sûr. Ok, je te remercie. D'accord. Même pas la vidéo, là, c'est bien. Oh là là. Oh là là. Quelle est la fille, excuse, que tu as donné, ou que ta go t'a donné, ne va pas ça là. Essaye. Essaye. Bon, et qu'est-ce que tu as dit? Dégage. Hein? Dégage, tout court. Ta propre go ou bien ouais. Une fille vidéo? Non, non, non. Tu as dit qu'elle dégage? Oui, parce que je savais réellement qu'elle saignait pas donc. Et là, pour ça, comment ça va pas chez lui? Non, non. Ah, mais ça arrange après, non? Ouais. Ok, je te remercie. Bonsoir, mes chéris. Bonsoir. Moi, c'est Fanny. Moi, c'est Rika. Moi, c'est Barry. Enchanté. Merci. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Vous voyez ma chaîne. Est-ce que vous pouvez dire chers abonnés, restez scotchés sur Rago Jeune? Quoi? Est-ce que vous pouvez dire chers abonnés, restez scotchés sur Rago Jeune en regardant la caméra? Chers abonnés, restez scotchés sur Rago Jeune. La chaîne du divertissement. La chaîne du divertissement. Je vous remercie. Alors, en fait, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, quel est le prétexte que toi-même tu as jugé que c'est le prétexte le plus bête? Quand ton gars t'a dit qu'il voulait faire, tu as dit que non, vraiment. Quel est le prétexte que toi-même tu as jugé que non, vraiment, il a fait fort? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Franck. Moi, c'est Liliane. Enchantée. Enchantée. Alors, si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Nous voulons savoir, et nos internautes aussi, quel est le prétexte le plus farfelu que tu as donné à un garçon pour ne pas faire avec lui? Donc Jacques te demande, il dit qu'il veut. Le prétexte que toi-même tu confirmes que c'est le plus bête prétexte que tu as donné à un garçon pour ne pas faire. Je suis en période. Que tu es en période. Il n'a pas dit que tu peux laver, tu viens avec. Non. Comment ça? Parce qu'il y a les gars qui disent que non, non, mais si tu es en période, ça fait qu'on va laver, tu viens avec. Ah oui? Non. Donc tu n'as pas encore vu le gars là? Non. Ah ok. Je te remercie bien. Une dernière question. Lorsque tu es avec lui dans la chambre, on est d'accord. Quelle est ta position préférée? Il y a une fille là qui m'a dit qu'elle sa position, c'est la position de la pierre écrasée. J'ai pas compris cette position. Je sais pas si c'est aussi pareil. Que je saigne. Que tu saignes. Que ça règle. Il n'a pas demandé que tu ailles laver ça, tu viens laver. Non. Hey, comment ça? Non, non. Il n'a pas dit que tu ailles laver. Oui. Comment? Non, non. On lave pas ça chez les gens, on lave ça chez nous. Ah bon? Mm-hmm. Et c'est ce que tu aussi répondais. Oui, oui. Quand on lave que chez soi, on lave pas chez les gens. Oui, et c'est pas bien quand on fait quand tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui m'a dit que c'est même le moment là que c'est bien bon. Ah, c'est pas bien, c'est un peu sale, c'est pas présentable. C'est un jar. Oui, et toi aussi, c'est la même chose. Ah, c'est sale, c'est sale. Tu as jamais fait quand ça coule? Non. Tu es sérieuse là? J'ai même jamais fait. Tu as jamais fait quand ça coule? Non, non, non. Tu es sérieux? Oui. C'est vrai qu'on ne connaissait pas le bon alors. La voix des sans voix. L'éclaireur de conscience africaine.